Christophe Giraud suivra, qui est paysagiste concepteur, directeur de l'Institut du paysage. Donc Christophe Giraud, merci et doyen du département d'architecture communication sur l'exemplarité d'Alphon chez Rumstedt et Robinson. Robinson, pardon. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je ne suis pas tout d'abord historien, je voudrais vous prévenir. Donc je m'aventure dans des terrains incertains. Et Jean-Pierre Le Dantec m'a demandé, probablement parce que j'ai un rapport avec le monde anglophone, d'essayer de parler de la relation ou du rôle d'Alphon chez deux personnages vraiment proéminents, Frederick Law Olmsted en Amérique et William Robinson en Angleterre. Donc je me suis aventuré un peu dans une découverte dont je vais vous faire part. Je vais vous décevoir d'une certaine manière. J'ai décidé de ne pas vous montrer plein d'images de projets. Je pense que vous connaissez bien les projets d'Alphon, d'Olmsted et probablement aussi de Robinson, avec son travail avec Gertrude Jekyll. Et donc je vais plutôt dresser un portrait de ces trois personnages et essayer de situer leur relation dans l'histoire, dans une histoire très importante du XIXe siècle. Je pense, ça vient d'être dit aussi, qu'on parle d'une évolution au XIXe siècle. Il faut quand même reconnaître le précédent allemand, Wanskel et Peter Josef Lenné, qui ont quand même créé les premiers parcs publics en Europe dès le tournant du siècle, dès le début du XIXe siècle, et dans le cas de Lenné, dès 1825-1830 à Berlin, Wanskel à Munich avec le fameux Englische Garten. J'en parle un peu dans mon livre, Le cours du paysage, sur ce XIXe siècle, et je trouve ça bien dommage, on a eu un peu cette discussion hier aussi, que ces personnages ne soient pas vraiment connus, qu'on joue simplement la carte nationale comme si on réinventait les plates-bandes et les jardins anglais à chaque fois. Je pense qu'il serait important à notre époque maintenant de parler plutôt d'un ensemble d'idées et de comprendre aussi l'idéologie derrière ces parcs. Et c'est plutôt sur la dimension idéologique que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc je vais commencer à lire mon texte. Il y a certains passages que je cite en anglais. Je ferai verbatim une traduction en français pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais. Et voilà. Donc voilà nos trois personnages. C'est la seule image dont vous allez avoir droit aujourd'hui. Mais je trouve que déjà les trois photos vous montrent des personnalités et des cultures contrastées. Donc on pense que Jean-Charles Adolphe Alphon joue un rôle déterminant dans l'essor de la carrière de Frederick Law Olmsted au moment de la création de Central Park et qu'il maintint une influence par la suite. Pourtant, cette relation a rarement été vérifiée, voire même qualifiée. On parle d'une estime qu'il y a les deux hommes, mais il semble improbable que notre ingénieur X-Pont, répondant directement au baron George Eugène Haussmann et à Napoléon III, avec le goût prononcé du jardin anglais qu'on lui connaissait et le goût de l'apparat, et put avoir une quelconque influence stylistique sur l'œuvre d'Olmsted, ce grand défenseur des libertés américaines et de la démocratie abolitionniste. L'influence d'Alphon sur Olmsted se trouve d'ailleurs dans la définition du projet urbain et l'art de constituer une équipe opérationnelle. Le cas de William Robinson, que vous voyez sur ma, sur ma droite, et tout autre, car contrairement à Olmsted, il ne devint pas paysagiste de métier, mais plutôt journaliste des jardins durant la période victorienne. Ses livres, néanmoins, influencèrent un nouveau genre paysager de part et d'autre de l'Atlantique. Robinson est surtout connu pour son livre intitulé « The Wild Garden », qui révolutionna l'art du jardin anglais. Robinson ne rencontra jamais Alphon, contrairement à Olmsted, qui le vit au moins une fois. Alors ça, c'est là où on rentre un peu dans les petits détails. Mais bon, Joseph Disfonzio, lorsqu'il écrit qu'Olmsted visita plusieurs fois le bois de Boulogne en compagnie d'Alphon, et je le cite là, « Olmsted was in Paris in 1859, and he visited the bois de Boulogne no less than 8 times, accompanied by Alphon. » Donc 8 fois, ils allèrent ensemble 8 fois visiter le bois de Boulogne. Nous allons donc chercher à comprendre comment nos deux protagonistes, Olmsted et Robinson, marquèrent les goûts, pratiques et tendances de leur époque en profitant de l'exemplarité d'Alphon à bon escient.
Dans un écrit datant de 1875, intitulé « Parks », Olmsted est un écrivain prolifique, comme vous le savez. Il n'a pas été traduit, mais il a avant tout été écrivain avant d'être paysagiste. Olmsted dresse un tableau des projets européens où l'exemple de Paris demeure certes important. Il se réfère d'abord au livre de Robinson sur les promenades de Paris et complète avec le livre d'Alphan. Pourtant, il écrit le nom de ces derniers de façon erronée. Je cite « A detailed account of them », il parle des Français, « and of their admirable method of administration may be found in Robinson's Parks, Promenades and Gardens of Paris ». Donc il cite d'abord Robinson, qui se sert d'ailleurs du titre d'Alphan, j'expliquerai ça plus tard, « and one still more complete in Les Promenades de Paris by Monsieur Alphonse ». The chief designer of the recent improvements. Ai-je besoin de traduire ? Donc, Alphan devient Alphonse. Ceci soulève un certain doute quant à la connaissance entre les deux hommes, comment ils se connaissent. 16 ans se sont écoulés depuis la première visite d'Olmsted à Paris, et il ne se rappelle plus de l'orthographe du nom de son ami, entre guillemets. Charles Waldheim, qui on en a entendu parler hier, John Dixon Hunt en a parlé par rapport à son livre, continue à répéter un peu avec la même erreur cette idée d'une amitié entre les deux hommes. À l'instar de Joseph Disponzio, il nous dit qu'Olmsted visita plusieurs fois le bois de Boulogne avec Alphan. Or, Waldheim se trompe. Olmsted, dans une lettre datée du 28 décembre 1859, et il a écrit et rédigé un sorte de journal extrêmement précis, dit qu'il fut présenté une fois à M. Alphan, ingénieur en chef des ponts et chaussées, avant d'être accompagné par un membre de son équipe au bois de Boulogne. Donc je cite là Olmsted. At Paris, I met Mr. Phelan, formerly a commissioner of Central Park. Donc il retrouve une communauté d'Américains à Paris, dont M. Phelan. By him, donc à travers M. Phelan, I was presented to Mr. Alphan. Et il écrit là le nom correctement en 59. Head of the Government Department of Roads and Bridges, under which the suburban improvements of Paris are carried on, who kindly supplied me with such information as I required, and then directed an engineer to attend me in my visit to the Bois de Boulogne. Donc, il rencontre Alphan, qui le reçoit poliment, lui donne certains documents, et ensuite il demande à un de ses assistants, Alphan demande à un de ses assistants, d'accompagner Monsieur Olmsted, pour voir le bois de Boulogne. Ils ne virent jamais le bois de Boulogne ensemble, et ce mythe des 8 visites que Disponzio diffuse et que Waldheim reproduit est faux. Voilà, je suis désolé de le dire, il faut retourner aux sources. Alors, il continue, 3 points, « To the bois de Boulogne », c'est toujours Olmsted, « To the bois de Boulogne, I made 8 visits ». Donc, effectivement, Olmsted est allé 8 fois au bois de Boulogne. « 4 of them in company with either Mr. Phelan or Mr. Bigelow of New York, whose previous observations upon the customs of the grounds were of value to me. » Donc il dit, je visitais effectivement en 59, et c'était déjà à l'époque où il construisait, il avait gagné le contrôle de Central Park, et c'est d'ailleurs la commission de Central Park qui l'envoyait en Europe pour qu'il se renseigne un peu plus sur les projets européens. Il y va 8 fois, mais en compagnie de M. Phelan ou M. Bigelow de New York. Voilà. C'est quand même assez intéressant de comprendre que cette fameuse énorme amitié entre les deux hommes a été édulcorée, on va dire. On pourrait faire la même remarque à propos de Robinson qui, dans l'éloge funèbre d'Olmsted, dans son journal Flora, se trompe d'orthographe. Anglicisant Olmsted, d'ailleurs Olmsted veut simplement dire des ormeaux, Holm c'est l'orme, il écrit Olmsted à l'anglaise, S-T-E-A-D. Alors que la version que l'on a devant nous, c'est une version néerlandaise. C'est le même mot, mais la version néerlandaise. Mais la prononciation des deux homonymes néerlandais et anglais se confond. Alors que le pas phonétique entre un Alphonse et un Alphan, même en anglais, reste grand. Ceci nous permet de supputer qu'Olmsted et Alphan ne se connaissaient pas vraiment bien personnellement. Mais ceci n'enlève rien à l'exemplarité de la méthode exposée dans les promenades de Paris qui influença forcément Olmsted dans ses principaux projets urbains de New York, Boston et Buffalo. Très important, Buffalo. Olmsted fit d'abord carrière en tant que journaliste au New York Times.
en y créant un genre de reportage inédit qui contribue à ancrer la réputation du jeune journal. C'est très important ce point. Domstead, écrivain et idéologue avant d'être paysagiste. C'est probablement le seul des trois à avoir vraiment innové au niveau de la conception de l'espace public, du moins dans sa tête. Il fonda lui-même en 1965, avec d'autres collègues, la revue abolitionniste The Nation, qui est toujours une revue aujourd'hui très connue en Amérique, qui existe encore, défendant la cause du domaine public en Amérique. Olmsted fut l'auteur d'articles et de livres importants traitant des questions sociales et raciales brûlantes dans son pays. Son livre le plus notable, The Cotton Kingdom, le royaume du coton, publié en 1861, au début de la guerre de sécession, dresse un portrait accablant de l'esclavagisme et d'une culture sudiste surannée. Il compile une série d'articles qu'il écrivit entre 1852 et 1855, alors qu'il était en mission dans les plantations du Sud et du Texas. Ce livre eut un fort impact sur le sentiment abolitionniste en Amérique. Il fut même cité dans la critique de l'économie politique, dans le volume 1 du Capital de Karl Marx. Et sur un tout autre registre, Malcolm X cite ce livre comme une influence importante dans sa compréhension de l'expérience noire en Amérique. Donc voilà, on a un personnage un peu différent d'Alphand, on pourrait dire. C'est donc avec un fort esprit de conviction politique et sociale qu'Olmsted accéda au projet des paysages. Le contraste avec la carrière méritocratique d'Alphand sous Napoléon III ne peut pas être plus frappant. Alphand fut muté à Paris sous les ordres d'Haussmann, qui l'avait connu à Bordeaux et appréciait son efficacité administrative et son talent. Il se mit à pied d'œuvre sur le projet du Bois de Boulogne en remplacement de l'architecte paysagiste Louis-Sulpice Varré, qui venait d'être remercié. Il s'entoura d'une équipe forte consistant des meilleurs architectes, ingénieurs et jardiniers sur la place de Paris. Le projet fut entièrement repris et devint un symbole par excellence d'un second empire triomphant. Les deux lacs, avec leurs îles et rocailles en pierre de Fontainebleau, réalisés avec le plus pur style pittoresque, dans le plus pur style pittoresque anglais, marquèrent un précédent en termes d'espace public. Mais, en fait, c'est la chaussée aménagée par Alphand, ou plutôt son usage pour les rencontres quotidiennes de la bourgeoisie autour du lac, qui devint la raison d'être du Bois de Boulogne sous le Second Empire. On ne peut pas donc prétendre que le Bois de Boulogne servit de modèle au projet de Central Park, dont la forme donnée aux espaces publics correspondait à un état d'esprit complètement différent et beaucoup plus ouvert au public et général. Olmsted relate que l'ingénieur Alphand et le jardinier Sir Joseph Paxton avaient même été pressentis par la commission de Central Park à New York pour devenir le directeur du futur projet de parc. Je cite Olmsted ici, dans une lettre, c'est d'ailleurs sa lettre de démission dans l'administration de Central Park, « Your board had at once under consideration to employ Monsieur Alphand or Monsieur Kemp or Sir Joseph Paxton for the duties which subsequently devolved on me. » Donc il explique simplement qu'ils avaient déjà été pressentis. Donc effectivement, Alphand était connu en Amérique, avait failli même diriger le projet de Central Park, le destin en décida autrement. Et Olmsted quitta le journalisme en 1857 pour devenir surintendant de l'établissement de Central Park. Donc on est environ 3 à 4 ans avant la guerre de sécession. Grâce à sa bonne connaissance des projets anglais, hollandais et allemands, l'architecte d'origine anglaise, Calvert Vaux, lui demanda de s'inscrire dans son équipe pour le concours de Central Park l'année suivante. Donc Calvert Vaux, qui était un peu l'associé d'Olmsted dans ses débuts, l'invita presque par hasard, un an avant que le concours soit décidé, pour participer à son équipe. Voilà. Et c'est comme ça qu'il entra dans le projet. Leur projet intitulé Greensward, ou Greensword, gagna à l'unanimité. Le fait est que Olmsted était déjà dans l'administration de Central Park, donc je ne sais pas s'il était à la fois jury, juge et parti. C'est un peu comme les ingénieurs et ponts et chaussées ici dans certaines pratiques. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Le mal est fait. Comment expliquer le changement soudain de carrière d'un journaliste politiquement reconnu et engagé, cousu de convictions transcendantalistes dont l'intérêt pour les écrivains tels Émile Zola, Alexis de Tocqueville ou Daniel Defoe auraient éveillé des soupçons dans le Paris de l'époque.
Olmsted croyait que le progrès social passait nécessairement par un acte politique manifeste et un besoin d'agir sur le terrain. Il naquit à Hartford dans une famille aisée du Connecticut et interrompit ses études à l'université de Yale dès la première année. Il fit ensuite, je parle toujours d'Olmsted, un stage dans la marine marchande qui le mena jusqu'en Chine. Dès son retour, son père lui offrit une ferme à Staten Island, qui est la petite île où il y a la Statue de Liberté, à côté de New York, où il devint gentleman farmer et écrivain. C'est suite à un premier voyage en Angleterre en 1850 qu'il publia son livre, qui est d'ailleurs un de ses livres les plus intéressants, intitulé « Walks and Talks of an American Farmer in England ». Et dans ce livre, il relate de sa visite inopinée dès son arrivée en Angleterre au nouveau parc public de Birkenhead de Joseph Paxton à Liverpool. On vient de le voir dans la présentation précédente. Il y vit tout de suite un modèle de parc public tel qu'il se l'imaginait dans un cadre paysager sobre et soigné. Le parc lui donna la conviction que le progrès social passait nécessairement par des projets pilotes exemplaires. Il en parle comme d'un exemple remarquable d'intégration. Je le cite, Birkenhead Park contains 120 acres besides the leased villa ground, 60 acres. It was undertaken as land speculation, and though too small in scale and too garden-like for the general popular use of a larger community, it is very pleasing and is one of the most instructive to study in Europe. Donc en gros, il dit Birkenhead, bien qu'il soit assez petit et que ce soit un projet spéculatif, privé, concentré autour d'un parc, non pas à caractère privatif, mais de logements à caractère privatif, que c'est vraiment un modèle très instructif pour le reste de l'Europe. De retour en Amérique, Olmsted se désintéressa à sa ferme et se mit à militer pour la création d'espaces publics dans les villes américaines. Donc il abandonne la ferme que son papa lui avait donnée. Après l'apparition de son premier livre, donc « The Walks and Talks », il acquit une certaine notoriété, ce qui lui permit d'être embauché comme journaliste au New York Times. Olmsted écrivit de manière prolifique toute sa vie. C'est grâce à ça que nous pouvons déterminer l'influence exacte d'Alphand dans sa carrière. Alphand apparaît de manière récurrente dans ses écrits quand il commente par exemple le rôle pilote que joue à l'avenue de l'Impératrice comme des projets de l'aîné à Berlin, avec ses circulations séparées, dans sa conception des futurs parkways américains. Passons à notre deuxième protagoniste. Beaucoup a été dit au sujet de William Robinson et de son livre à succès intitulé « The Wild Garden », publié en 1870. Robinson naquit dans une famille modeste du comté de Waterford, en Irlande, en 1838. Donc il est plus jeune que nos deux autres protagonistes, et de loin. Et débuta à un jeune âge comme apprenti jardinier au service d'une marquise à Curraghmore. Robinson passa ensuite au service d'une baronnette à Ballycleekavan, dans le comté de Laos, où il s'occupa des serres. Rien ne le prédestinait dans une carrière d'écrivain jardinier, mais lorsque David Moore, un ami de la famille, directeur du jardin botanique de Glanesville à Dublin, lui proposa un travail au jardin botanique de Regent's Park à Londres, Robinson fit ses bagages et émigra vers la capitale à l'âge de 21 ans. Dès son arrivée, il fut mis en charge des collections d'herbacées pérennes et de la recherche sur les fleurs sauvages des îles britanniques. Ceci lui permit de découvrir le pays, d'approfondir ses connaissances en botanique et d'admirer la beauté naturelle de la flore locale, et aussi de visiter les jardins alpins et sauvages qui étaient déjà en vogue en Grande-Bretagne depuis des décennies. Je souligne ce point. Après 5 ans de travail appliqué sur les fleurs sauvages, Robinson accéda à la Société linnéenne en 1866. Parrainé par le savant Charles Darwin, le pépiniériste David Veitch et le botaniste David Moore. Grâce à cette reconnaissance fraîchement acquise, il décida de quitter les services de Regent's Park pour se lancer dans une carrière d'écrivain journaliste autodidacte pour The Times et The Gardener's Chronicle. Ses bonnes connaissances horticoles et une certaine maîtrise du français lui permirent de se rendre à l'Exposition universelle de Paris l'année suivante, en 1867, comme représentant de la société Veitch. Impressionné par l'ampleur des grands travaux à Paris, il visita aussi les serres de Lamette, qu'on vient de voir, il se mit aussi à visiter les projets d'Alphand, probablement en compagnie d'Edouard André, on ne le sait pas. Le livre d'Alphand venait de paraître, ceci n'est pas un petit détail, la même année. Et en bon journaliste, il y piocha des idées
dans les projets qui l'intéressaient. Robinson ne perdit pas de temps et publia dès 1868, c'est-à-dire un an après son passage à l'Expo universelle, son premier livre, Gleanings from French Gardens, un petit livre de 290 pages illustré, destiné à un public de jardiniers anglais, rédigé dans un style vantant les mérites de l'horticulture française. Dans ses remerciements, Robinson cite les noms d'Édouard André, du professeur Dubreuil, de Henri Villemorin, mais omet Eugène Alphand et Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Comment expliquer une telle bévue alors que son livre traite en grande partie du contenu du livre d'Alphand et de la question horticole à Paris durant le Second Empire? En parlant du projet du bois de Boulogne, par exemple, Robinson ne fait qu'allusion à Napoléon III, pour qui il voue une admiration considérable. C'est donc Napoléon III qui conçut le bois de Boulogne avec l'aide de la municipalité. Je cite Robinson. But Napoleon III, in his admiration for English parks, determined to add their charms to Paris, or rather to improve upon them and the bois, is one result. In concert with the municipality, the emperor dug out the lakes, non, creusa les lacs, c'est l'empereur qui creuse les lacs, made the waterfalls, fit les cascades, etc. As a combination of wildwood and noble pleasure garden, it is magnificent. Though with large expectations in other directions, the reader will hardly be prepared, il s'adresse à un lectorat anglais, though with large expectations in other directions, the reader will hardly be prepared for the statement that the French beat us in parks. Donc il dit, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre ça, mais les Français viennent de nous battre en matière de parcs. Voilà le genre, le style journalistique de Robinson. Toujours est-il que son livre, qui titilla l'orgueil victorien en déclarant que les Français avaient battu les Anglais en matière de parcs, fit un tabac et fut réédité dès l'année suivante. C'est là que les choses deviennent un peu plus compliquées. Robinson produit à peine un an après la parution de son premier livre sur les jardins français, les parcs français, un livre volumineux de 650 pages, donc il a quand même, il faut le faire, hein, sortir un deuxième livre de 650 pages, intitulé « The Parks, Promenades and Gardens of Paris ». Donc le titre, c'est « Les parcs, les promenades et les jardins de Paris ». Comment fait-il pour publier un ouvrage si imposant en si peu de temps, alors qu'il n'a aucune expertise en matière d'aménagement urbain ? Robinson s'appuie cette fois lourdement sur le livre d'Alphand, duquel il extrait de nombreuses informations, se servant de la table des matières en ordre dispersé. Est-ce par manque d'expérience ou simplement par manque de probité ? Malgré le titre, ce livre n'est pas vraiment une traduction des promenades de Paris. John Dixon Hunt nous a expliqué hier que les promenades de Paris ne sont toujours pas traduites jusqu'à ce jour. Donc qu'est-ce qu'il fait, Robinson ? Il se s'en sert comme tribune pour proférer ses critiques sur les pratiques horticoles en cours à Londres, commentant au passage de ce qui se fait de bien ou de mal à Paris. Pour ce faire, Robinson se sert abondamment des illustrations de Denis Hochereau, extraites du livre d'Alphand, sans même le nommer. Il en va de même des illustrations puisées dans le fond iconographique de Dubreuil, Villemorin et bien d'autres. Mais ce qui est encore plus surprenant, et ce malgré le titre, c'est qu'Alphand n'est pas même mentionné une seule fois dans les 645 pages de l'ouvrage. De nos jours, on crierait à l'imposture ou au plagiat. Mais il s'agit là plutôt d'une forme de vulgarisation opportuniste, on va dire. Le livre de Robinson, étoffé de belles illustrations, se lit comme un recueil d'opinions sur ce qui ne va pas dans le Londres de l'époque, et où il étale son savoir horticole sur Paris à l'emporte-pièce. Robinson admire, par exemple, la mise en œuvre des plates-bandes de vivaces, de Barillet-Duchamp, qui contrastent avec les plates-bandes d'annuelles produites à Londres au même moment, qui nécessitent d'être replantées chaque printemps. Ce sont donc les travaux appliqués de Barillet-Deschamps en matière de vivaces qui donnèrent l'idée, en fait, à William Robinson d'inventer ces célèbres plates-bandes de type Mixed Borders avec Gertrude Jekyll à partir de 1875. Le modèle de Barillet-Deschamps, ces sortes de plates-bandes qui requièrent beaucoup moins d'entretien que celles qui avaient lieu précédemment, devient un modèle. Je le cite ici.
Looking deeper at the immediate results, we may see how the adoption of the system of careful permanent planting, donc c'est careful permanent planting, ça veut dire la plantation pérenne, enables us to secure what I consider the most important part of the whole art of gardening. Variety, c'est un terme hogarcien, bien sûr, and that for the noblest kind. Il est intéressant de noter au passage qu'Olmsted, contrairement à lui, ne s'adonna pas à l'art des plates-bandes, qui ne figure dans aucun de ses projets. Il y décria même un genre de formalisme végétal qui est réprouvé. Je parle d'Olmsted. Dans une lettre datée de septembre 1892, intitulée « In Sympathy with Nature », adressée d'ailleurs à Robinson, il dit qu'il n'a jamais fait de plate-bande, et ce pour des raisons idéologiques. Et je cite ici Olmsted, « There has never been a square yard of bedding out of any ground under my direction ». La critique stylistique de Robinson demeure quelque peu naïve à propos du dispositif constructif et vierge du parc des Buttes-Chaumont. Sa désapprobation sur la réfection des enrochements du parc avec du béton ou des entrelacs de chemins asphaltés montre à quel point son entendement se limite au domaine horticole. Antoine Picon, dans son article, note « Lors de sa visite effectuée en 1869, le jardinier anglais William Robinson s'offusqua déjà de la débauche de ciment qui avait été nécessaire pour consolider le relief et façonner des accidents pittoresques. Robinson y critique le dessin des chemins. Je cite Robinson. « There can hardly be two opinions about the desirability of concealing the walks of a naturally disposed garden as much as may be convenient. » A marked feature of many new French gardens is the way they are exposed, le fait que les chemins soient exposés. Et insiste en disant, in the plan of the best French landscape gardeners, it is quite ridiculous to see the way the walks wind about in symmetrical twirlings. Donc il dit, dans le plan des meilleurs projets de parc, donc il parle d'Alphand là, paysager parisien, c'est absolument ridicule de voir la manière dont les chemins s'entrelacent de manière symétrique. Or, Robinson ne peut ignorer qu'Alphand, dans son livre « Les promenades de Paris », écrit toute une partie sur le tracé des jardins irréguliers, dans laquelle la figure du parc de Birkenhead, qui est dessinée par un Anglais, Joseph Paxton, figure de manière proéminente. Un projet qui servit par la suite de modèle à de nombreux parcs à travers le monde, dont Prospect Park à Brooklyn, le parc Montsouris, ainsi que les Buttes-Chaumont. Bon, peu importe. L'esprit de Robinson est ailleurs. Il critique avec véhémence le jardin alpin des Buttes-Chaumont et s'en sert pour étaler sa science sur l'usage des saxifrages, des campanules et des thyms, et il se ravit de l'usage de l'artichaut comme sujet isolé au milieu des pelouses du parc. « The common artichoke, je le cite, « the common artichoke was very effective in one spot as an isolated specimen of a foliage plant. Nothing been finer than the nobly formed silvery leaves of this plant. » Très bien. Donc il aime les artichauts dans les parcs publics. Ces deux ouvrages sur Paris, et c'est là où c'est important, vous avez bien compris, premier ouvrage 68, deuxième ouvrage de 650 pages 69, ces deux ouvrages sur Paris préparent en quelque sorte le public britannique à la réception de son troisième livre intitulé « The Wild Garden », publié un an plus tard, en 1870. On peut imaginer qu'il prépara ce livre pendant les 5 ans qu'il passa à Regent's Park, en tirant beaucoup d'enseignements de ses profs. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Ce serait intéressant, Robinson devrait vraiment être recherché, c'est clair. The Wild Garden, publié en 1960, qui marquera toute une génération de jardiniers anglais et américains. Ce n'est pas Robinson qui inventa le genre du jardin sauvage. Thomas Blakey et John Abercrombie, grands spécialistes des saxifrages, l'avait initié 100 ans avant, suivi de John Claudius Loudon dans son encyclopédie du jardinage dans la première moitié du XIXe siècle. Robinson, en fait, ne fit que vulgariser ce qu'il avait vu, lu et appris au jardin botanique de Regent's Park, sans toujours citer ses sources pour autant. Dans la foulée, il fonda en 1861 une revue intitulée The Garden, dans laquelle des célébrités telles que John Ruskin, Gertrude Jekyll et William Morris contribuèrent. C'est indéniable. Grâce aux revenus de ses livres, William Robinson acheta un vieux manoir élisabétain et s'installa à Gravette, dans le comté de Sussex, en 1884.
Son regard critique sur le paysage exprimé dans son livre « The English Flower Garden » correspond à un moment de l'histoire britannique tout autre, celui des années 1880, une époque où les campagnes anglaises furent dépeuplées et les demeures seigneuriales délaissées pour cause d'industrialisation. Robinson revint donc à un mode de vie rural qu'il connaissait depuis son enfance, au détail près que c'était lui désormais qui occupait le manoir. Ces recommandations néo-rurales destinées à faire revivre ces campagnes abandonnées influencèrent grandement les pratiques paysagères en Grande-Bretagne. Robinson devint en quelque sorte un gentleman jardinier, un homme de la campagne plutôt qu'un homme de la ville. On peut dire en substance que l'exemplarité d'Alphonse servit à nos deux protagonistes de façon différente. Dans le cas de Robinson, la vulgarisation des promenades de Paris fut l'occasion pour lui de se profiler comme jardinier penseur d'un monde anglais en pleine mutation. Même si on est en droit d'émettre des réserves sur les méthodes qu'il employa pour parvenir à ses fins, le fait est que Robinson devint une figure incontournable de la mode des maisons et jardins. Dans le cas d'Olmsted, on est en droit de se demander si son traitement de l'espace public dans le projet de Central Park correspond vraiment à l'approche urbaine employée par Alphand dans son projet. J'ai presque fini. Dans son projet du Bois de Boulogne. Ce qui apparaît en surface comme un traitement similaire chez Alphand et chez Olmsted ne l'est pas dans le fond. La prééminence donnée par Alphand à certains espaces du Bois de Boulogne, comme le Cercle des patineurs avec son grand chalet, ou le Jockey Club de Longchamp sur le champ de course, et dans une moindre mesure le Circuit des Deux Lacs, correspond à une période où l'élite en France se distinguait du reste de la populace par une démonstration publique d'exclusivité, ce qui est foncièrement contraire à l'idéal d'espace public toujours défendu par Olmsted. Qu'aurait pensé Alphand de ce mal dans le Central Park placé de biais, partant de nulle part et menant à des poches de clairière au cœur d'un paysage à la fois ouvert et intime, public et relié, accueillant pour tous? S'il y a bien une leçon à tirer de l'exemplarité d'Alphand, c'est que nul n'échappe vraiment à l'histoire de son époque. Je vous remercie. Donc, on avait dit qu'on ne posait pas de questions, mais il y a une remarque de la part de Clara. Je la fais tout de suite parce que c'est vraiment en référence à votre intervention. Donc, je pense que c'est une intervention magnifique qui m'a donné plein d'informations, qui nous a donné plein d'informations. Mais je pense que ce que vous dites par rapport à la relation entre l'œuvre d'Alphand et Robinson et Olmsted présente un problème de date, c'est-à-dire que les promenades de Paris ne sont pas publiées en 1867, elles sont publiées en 1873. Non, c'est-à-dire... Il y a toute une période. Hein. Oui, mais ce sont 56 livraisons, et en 67, il y en a une qui apparaît, avec un texte de 4 pages. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas historien, il faudra m'expliquer comment les illustrations d'Alphand finissent dans le livre de Robinson. Parce qu'elles passent par la presse. Elles sont publiées à partir de 1855-58 dans l'illustration, dans plein de choses. Et je pense que là, vous ouvrez vraiment un champ d'analyse parce que Robinson, mais Stéphanie pourra peut-être compléter, parce qu'à cette époque-là, les textes des promenades de Paris est en train d'être rédigé, mais il a déjà été fait au sein de l'administration publique. Donc je pense que Robinson, il doit connaître les articles d'André, parce qu'André a déjà publié à partir de 66 des textes qui seront repris dans les promenades de Paris, et il peut accéder aussi au texte du Paris Guide, où il y a une description très précise de tout ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas historien. Tout ce que je peux dire, c'est que ce livre de 650 pages produit en l'espace d'une année, admirable, reprend, pas dans l'ordre la table des matières, mais reprend les intitulés de la table des matières. Donc il a dû avoir... Ou alors il y a un miracle. Il y a une sorte de parapsychologie qui s'opère, qui fait qu'il arrive à recréer les mêmes titres. Et il y a les mêmes images qui apparaissent. Donc moi, je veux bien qu'on me dise formellement que le livre a été complété en 73, mais le fait est
que ce livre, et d'ailleurs qui n'est pas vraiment une traduction d'Alphand, donc ça explique peut-être en partie la chose, il n'y a absolument aucune référence faite à Alphand, à Barillet Duchamp, et aucune référence faite aux sources iconographiques. Non, mais justement, je pense que ce que vous dites est très intéressant, parce que ça ouvre encore un champ de recherche pour comprendre comment elles ont été rédigées, ces promenades de Paris, et à quelle époque vraiment les textes étaient là, parce que Robinson ne peut pas s'être inventé quelque chose. C'est un miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les promenades de Paris ont été rédigées, à part le secrétaire général, l'assistant de Alphand, à partir de dossiers techniques. Il l'explique très bien dans le procès qui est là-haut, parce qu'il fait un procès qui est là-haut dans les archives, tout le monde peut le lire. Le fameux procès, Donc, on monte de chaque service des résumés, des trucs. Donc, Olmsted aurait, d'après Vincent Sainte-Marie-Gauthier, a été mené dans les visites du bois de Boulogne par Darcel. C'est Darcel, le chef des jardins, des parcs et des jardins. Alphand est le patron de la structure, et celui qui est en charge des parcs et jardins et donc du bois de Boulogne, de l'administration, c'est Darcel. Et d'après Vincent Sainte-Marie-Gauthier, donc ce serait Darcel qui va le conduire dans le bois, Jean Darcel, donc l'ingénieur en chef, polytechnicien, enfin bref, on en a parlé hier, et les documents sont publiés à l'intérieur. Ce sont des documents internes qui remontent. Mais bon, si on a fait un procès à Alphand, on aurait dû aussi faire un procès à Robinson, à mon avis. Ah, mais ça, bon, c'est... ce que je suis simplement en train de dire, c'est que ce livre de Robinson a eu un impact très très fort dans le milieu anglais et américain, et a créé une sorte de distorsion par rapport au travail d'Alphand qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien comprendre la situation. Plus le fait qu'on n'ait jamais traduit ça en français, c'est complètement délirant. Oui, oui, on est bien d'accord. Il a fallu attendre l'année dernière, il y a deux ans, pour que Florence André publie le Wild Garden, qui est quand même un des livres de l'histoire des jardins de l'Antiquité à nos jours, qui est le plus important. Donc il y a quand même là quelque chose de très étrange. Un Anglais francophile, francophone, qui écrit des gentillesses, contrairement à tous les autres, sur la France, et qu'on ne publie pas en français. C'est absolument surréaliste. On est d'accord. Moi, je suis contente parce que j'ai publié le journal de Blecky. Alors Blecky, là, il dit vraiment des méchancetés contre les Français. Merci. Ce sont des éléments qui ouvrent le débat de tout à l'heure. On prendra 10 minutes de pause et on se retrouve pour la dernière intervention et justement les échanges et le débat sur ces questions.